qui est conception de meubles, réalisation de meubles. Couper du bois, assembler du bois et fabriquer un meuble. La plupart du temps, ça se fait dans un atelier. C'est un travail manuel, c'est une matière vivante qu'on travaille. Donc, ça pour un débutant, tout dépend de l'entreprise où on va, mais en général c'est le SMIC. Faut minimum un CAP. On peut continuer sur un brevet de métier d'art et faire des BTMS après, licence, master. Un CAP c'est en 2 ans, un brevet de métier d'art c'est en 2 ans, un BTMS c'est en 2 ans, tout se fait à peu près en 2 ans. Il faut être patient, précis, rigoureux. Faut pas avoir d'allergie au bois. C'est tout. Quelques entreprises, vous avez Catrino qui fait les intérieurs d'avion. Il y a Quash qui fait les intérieurs bateaux. Après, il y a des petits ébénistes qui sont 2 ou 3 dans l'entreprise. Ils ont le petit atelier et puis ils font ça. Il y a un peu plus de garçons qui font ce métier, mais il y a quand même des filles. Donc, c'est un métier qui se perd, donc on recrute de moins en moins. Donc, c'est pas facile en ce moment. Donc, on va dire que c'est le meilleur du bois. L'ébéniste, c'est le meilleur. Il y a menuisier après qu'on peut faire. Il y a charpentier, il y a tous les métiers du bois après, sont accessibles.